Non, va au. Bonjour ma chérie, est-ce que je peux avoir ton numéro? Venez, oh, venez. Attends, tu as bu ou bien tu as fumé pour venir demander moi mon numéro? Hein? Regarde-moi cet énergumène là. Regarde ses chaussures, regarde son habit, on dirait fini. Regarde ses cheveux, tes chaussures sales, sales. Ça dit quoi? Tu n'aimes pas votre comportement là, hein? Tu vois que moi je suis n'importe qui. Quand tu me regardes là, attends, quand tu me regardes, je suis une fille que tu dois venir draguer. Jamais. Tu suis à ton niveau. Ah ouais. On verra bien. Les bouffons comme ça, vous promenez pour draguer les gens. Vous n'avez rien dans votre compte. Quand tu me regardes, quand tu vois ma beauté, quand tu vois mes cheveux, que mon habillement, tu peux m'entretenir? Non, attends. C'est là le problème. Est-ce que tu peux m'entretenir? Est-ce que tu as minimum 1 million dans ton compte? Yeah! Oh mon Dieu! Regarde-moi des gens comme ça, des sales bouffons. Pardon, qui devant moi? Pourquoi couper mon appétit? Yeah! N'importe quoi. Regarde-moi des gens comme ça. Vous allez venir draguer les gens, vous n'avez rien. C'est vous venez draguer, vous aimez trop femme. N'importe quoi. On verra bien. Alors, qu'est-ce qu'on veut, c'est? Je veux un plat de spaghetti bolognaise, un sandwich au poulet pané. Merci. Bon plat. Et voilà. Bon appétit. Ça va. L'addition, s'il vous plaît. Regardez ce qui va se passer ici. Madame, votre vie est déchirée. On ne prend pas ce genre de public ici. Venez. Mais. On veut toujours bouffer. Jamais. Non, si je prends ça, je vais des problèmes avec mon boss. C'est quand même vrai. Monsieur, c'est tout ce que j'ai dans mon sac. C'est tout. C'est tout mon argent comme ça. En plus, là, je suis sûr qu'on peut toujours bouffer, monsieur. S'il vous plaît, il faut prendre le billet là seulement. Pardon. C'est le dernier billet que j'ai. Madame, dans ce cas, vous allez laver les assiettes, nous payer le restaurant. Et allez au commissariat. Monsieur, ne faites pas les choses comme ça, je vous en prie. Je n'ai plus rien, on m'a donné, moi j'ai fait de nous faire des données. On peut toujours bouffer, regardez, on peut toujours bouffer même. Dans ce cas, on ne regarde pas mon patron. Attends, lui qui a les sandales et puis la chemise finie là. Bien sûr, c'est bien lui. C'est mon boss. Bon, venez. Monsieur, excusez-moi. Je suis désolée pour tout ce que je vous ai dit. Franchement, pardonnez-moi. Ok, j'accepte tes excuses. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu t'excuses pourquoi? Je comprends pas. J'ai un problème. En fait, j'ai remis un billet déchiré à un de vos serveurs. Tu as catégoriquement refusé. Alors que c'est le seul billet que j'ai. Tout est gâté. Donc toi, où tu es là, c'est le seul billet que tu as. Mais tu cherches garçon qui a minimum 1 million sur son compte. Mon gars. Toi-même, tu n'as rien. Mais tu cherches garçon qui a l'argent. Olé. Dans la vie, là, on ne sait pas qui est qui. On ne sait pas à qui on a affaire. Donc, traiter tout le monde au même pied d'égalité. Tu as compris? Il n'y a pas de souci. Je vais gérer à ta place. D'accord. Vous voulez toujours mon numéro? Je ne veux plus le numéro, c'est plus la peine. Yeah! Quelle humiliation! Yeah!